Frères et sœurs, je suis bien encadré, hein? Bienvenue à cette célébration où nous sommes invités et bienvenue aussi à ceux qui sont unis à nous par le biais de la télévision. Et le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons ce matin Saint Polycarpe, martyr, et nous sommes invités à prier pour Madame Hélène Duplessis Tourigny. Au début de cette célébration, tournons-nous vers Dieu, qui veut nous redire que nous sommes ses enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, toi qui nous as montré à aimer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as souffert pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont la résurrection nous ouvre la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions le Seigneur. Dieu, que toute la création, Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre comme lui part à la coupe du Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde. Et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai ton nom à jamais.
et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pauvres apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui sont complètement sidérés par cette expérience de transfiguration. Quelle est cette vision particulière? Ils se le demandent et ils ne comprendront tout cela qu'avec la foi reçue lors de l'effusion de l'Esprit et après l'expérience de la résurrection. Alors ils feront part à la part des choses. Ils comprendront qu'Élie est vraiment venu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à attendre de précurseur. Jésus est venu. Mais à se réjouir que le Messie soit reconnu en Jésus, tel que Pierre l'a prophétisé de manière inspirée, et que ce Messie ne soit rien d'autre que le Fils de Dieu lui-même. À nous aussi, il est demandé de laisser grandir notre foi en suppliant l'Esprit de la soutenir. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa salvation. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à saint Polycarpe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de saint Polycarpe. En donnant sa vie pour le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nos tours sans fin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Polycarpe, tous ces saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ
Prions le Seigneur que cette communion, Seigneur, vous donne cette force d'âme qui permit à Saint Polycarpe, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Grâce à la foi, vous êtes à même d'aller à la rencontre de la souffrance humaine et de procurer le soulagement. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.